Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour The Quintet de demain qui va se dérouler à Vincennes. Voilà, une très belle course, beau Quintet sur la piste des 2700 mètres. 16 partants, voilà, des chevaux de classe de groupe d'Amérique. Voilà, une très belle course. Donc vous connaissez par cœur mon tableau et je fais ma sélection en 6. Donc mes trois bases. Le 4, Looking Superbe, deuxième du prix d'Amérique. Cette fois-ci, le patron aux commandes, GMB, déféré des 4. Pour moi, chocolat, feu demain. Derrière, je vais mettre Tessie d'été avec Franck Nivard, une bonne jument. Elle descend de catégorie dernièrement. Voilà. Donc pour moi, en plus, elle adore les 2700 mètres. Elle a un bon chrono sur ce parcours de 1,12,9. Voilà, pour moi, elle doit lutter pour le podium. Derrière, je vais mettre le courageux Coach Framble. Il a fait un meeting d'hiver exceptionnel. Ça commence à être un peu plus dur parce que il a monté de catégorie, donc il lutte contre des chevaux qui sont de la qualité. Mais il est toujours là. Donc moi, là, je vois encore rentrer dans la combinaison gagnante. Donc attention avec Yo-Yo le Bourgeois. Ce 10. Après derrière, je vais mettre le 12 Abydos du Vivier. Il revient déféré des 4 avec Nicolas Bazir. Maintenant, ils se connaissent. Et chaque fois qu'il y a un quinté où il y a le père, eh ben, le fils en plus avec Abydos. Cet Abydos là, il m'a surpris cet hiver. Il est toujours là. Chaque fois il montait de catégorie, ben, chaque fois il était là. Et je vois encore bien arriver dans le quintet. Surtout que dernièrement, il a fait une petite course en condition. Après, je vais mettre le 2, Cicéré Noir, avec Pierre Vercrus. En ce moment, Pierrot, il est en forme. Attention à Pierrot parce que j'ai remarqué qu'il ne court pas souvent, comme les Bazir, Nivard, Raffin. Mais pour le peu qu'il court, il court à bon escient et toujours placé. En plus, ce 2, Cicéré Noir, il va courir devant. Il va pas rendre 25 mètres. Attention à ce 2. Après, je vais mettre le 15, Sharon Gar. Lui aussi, adore ce parcours. Attention, dernièrement, elle a fait une très belle course. Même si je le vois plus un cheval de vitesse, surtout derrière l'Autostar. Mais c'est un petit atout pour lui parce que si dans la course, il y a un peu de train, il sera derrière. Et comme c'est un cheval de vitesse, il va pointer au dernier moment sa vitesse et ramasser les morts. Attention à ce 15 Sharon Gar. Voilà. Et bien sûr, en cas de non partant, moi je mets le 13 Raffin Rico. Voilà. Ça sera mes chevaux pour demain. Le débriefing du quintet d'aujourd'hui. Dommage. Voilà, dommage, honnêtement. Il ne nous faut pas beaucoup pour avoir le quintet en désordre. Voilà. La gagne, le 9 Crystal River, que moi je mets en 4e position à 31 contre 1. Voilà, belle cote 31. Le deuxième, le 6, Kumba Cookie. Ma joujou de cœur. Je l'ai mis en troisième position à 14 contre 1. Donc c'est-à-dire qu'en 4 chevaux, vous avez le couplet gagnant placé. Voilà. Après, je mets le 12, Jimmy Midizia avec Mathieu Abrivard. Vous savez très bien que moi, quand il y a Mathieu dans un quintet, c'est mon jockey de cœur, Mathieu Abrivard. Moi, je le mets chaque fois dans ma sélection. Je m'en fous de la cote, je le mets. Mais en plus, je vous le dis que, comme par hasard, c'était toujours Lloris Garcia qui dravait cette jument. Et là, il lui donne à, on va dire, un top jockey de Paris. Pour moi, il était chaud, Lloris. Donc, fini troisième, j'avais mis en cinquième position, à 10 contre 1. Le 4, Parent du Goutier, c'était mon regret. Je voulais l'enlever. Dommage. Voilà, honnêtement, dommage. Ça nous coûte tout ce qui est carté. Quinté en désordre parce que je vous donne aussi le tiercé désordre en 5 chevaux. Voilà, il était pas mal. Hein. Voilà, donc on va faire un petit tour des gains. Tout ce qui est en jaune, c'est ce que je donne, et tout ce qui c'est en rouge, c'est potentiellement voilà que vous aurez pu gagner si vous prenez mes chevaux. Donc moi mes bases c'est ce que je vous donne en jaune, les gains en jaune, mes bases quoi. Donc le 6, 3,80€ la place.
Après, comme j'ai dit, en 4 chevaux, vous auriez pu avoir le couplet gagnant à 84,60 € les Thébois en seulement 4 chevaux. Voilà, ça aurait pris mes 4 premiers chevaux, pas en 6, pas en 8, en 4 premiers chevaux, 84,60 € gagnant, et vous auriez eu la bulle. Moi, je dis la bulle, c'est-à-dire tout, tous les couplets, voilà, en 4 chevaux. En 4 chevaux, en 5 chevaux, pardon. Donc en 5 chevaux, pareil. 9, 6, 22, 9, 12, 21. Des très beaux couplets, hein, surtout le gagnant. Bon, le 2 sur 4, 11,50 €. Madame et chevaux de base, il n'y a que le 6, donc je ne peux pas dire qu'on l'a touché. Le multi, il nous manque le 4, dommage. Surtout pour le multi en 6. Hein, parce que moi, je vous donne une sélection en 6. Voilà, donc si vous faites des multi en 6, ou alors vous prenez peut-être le mien de non partant, et ça vous fait le multi en 7. Mais comme j'avais pas mis le 4 en non partant, j'avais mis le 8, on le touche pas, dommage parce qu'il paye. Hein. Ben oui, parce que le 15 il est pas là, le 10 il finit 5e, Bazir se met la faute, ah oui. Donc le tiercé des ordres, 174 €, il n'est pas négligeable, hein. Un bon gain, hein. Surtout en 5 chevaux. Voilà, comme je vous ai dit, dommage pour le 4. Hein. Regardez, le désordre comme il paye 436. Voilà, et le quintet en 225 € pour 1 €. Donc c'était bah, pareil, 400 €. Donc là, on touche les bonus, hein, les bonus 3. Mais honnêtement, le 4, dommage parce qu'il y avait des très beaux gains à se faire. Bon, on a empoché déjà le tiercé désordre. Mais si on mettait ce 4, c'était du quartet à 400 €, du quintet à 400 €. Dommage. C'est-à-dire qu'on s'approche, on s'approche. Voilà, donc là, je vous donne 4 chevaux. Donc, c'est-à-dire que c'est 80% du quintet. Nous manquait ce 4 qui était en plus un cheval en vue. J'ai essayé de. En plus, mon tableau ne lui donnait pas. Dommage. Surtout que le 2, il finit 6e. On n'a vraiment pas de chance, on va dire. Voilà. Donc, c'est pas mal, mes amis, ce quintet. Surtout ce petit couplet gagnant. Hein. Comme vous voyez, en 4 chevaux. C'était beau. Hein. Voilà. Donc ça, c'est passé. Le couplet du jour. Bon, ben, comme vous avez pu remarquer, ben, le 15 max ben, finit 8e. Et le 10, le mien, finit 5e. Donc, ce couplet. On l'a raté. Donc, c'est parti pour le couplet de demain. Ce sera la réunion 1, course 2. Donc là, on va changer les mises. Donc, je change les mises parce que c'est une course avec peu de partants. Je pense qu'il y a quand même des grosses bases de favoris. Donc, j'estime qu'on peut prendre un risque d'augmenter les mises. Après, je reviendrai à 5-5 quand il y aura un peu plus de partants. Donc là, Max, il donne le 4 Galilea Money. Je pense que c'est un chocolat, c'est une course qu'elle doit gagner. Parce qu'il n'y a pas Greengrass. Il n'y a pas Greenpeace. Voilà, c'est pour elle. 2100, elle adore. Bazir. Numéro 4. Pour moi, c'est feu. Et derrière, je vais mettre le 3. Gaia Olfemenov. Avec les Martens. Avait fini quatrième dans une course où il y avait Greengrass. Les deux chevaux à. Les deux femelles, pardon, à Philippe Allaire. Logiquement. Avec le numéro 3 derrière l'Autostar. Si Martin s'y fait pas le con, il doit être au moins dans le couplet placé. Mais moi, je tente, voilà, comme je dis, le couplet gagnant. Donc, c'est-à-dire à mise 10 gagnants, 20 placés, mes amis. Voilà, mes amis, comme je vous dis toujours, bon jeu et bon pronostic. Ciao, ciao!